Eh bien, le bonjour à tous les amis, c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Hearthstone et pas n'importe quel concept. Il s'agit du concept du starter. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéo. Là, on reçoit pas mal de quêtes à faire, donc ça c'est super sympa. Et donc, oui, on va continuer notre petite épopée en arène, puisque vous voyez, on a toujours la possibilité de faire encore deux défaites avant de quitter l'arène. Donc, c'est parti. Donc, on s'en rappelle si vous avez vu les vidéos précédentes qu'on joue un deck druide qui est plutôt pas mal. Franchement, je suis assez content. Même si j'ai pas de légendaire dans le deck, c'est bien dommage. Enfin, on verra bien comment on s'en sortira face à Urtorkjul 998, le mage. Alors, sergent grossier, chouette bec de fer, ancien de la guerre, Trogma, Shrogma, Stock. On va balayer sergent grossier, ancien de la guerre. La chouette aussi, en fait, on n'en a pas besoin. Le Trog, on va le garder. C'est un excellent T4. Ok, super. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il pose, notre ami en face. Ok, il ne pose rien d'exceptionnel. Donc je propose qu'on mette... qu'on joue la pièce. Et qu'on pose déjà une créature, genre le Limon des Marais. Voilà. Le mage n'a pas d'armes, donc autant directement mettre du board, de la présence sur le board. Lieutenant de la Gardos, c'est vrai que c'est un très bon T2 aussi. Voilà. Ce qu'on va faire, ben ouais, minuscule invocatrice. Voilà, et on va trader. C'est surtout pour pas qu'il nous pète nos créatures ici, puisqu'il va diminuer tout de 1. Voilà. Alors, Trogma, Shrogma, Stock. Et on face. Voilà. Là, il faut qu'il ait une boule de feu pour se débarrasser de ma 3-5. Sinon, ça va être compliqué. Parce que, justement, le Trog, il se booste quand notre adversaire lance des sorts. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Canon lance-flamme. Ah, purée. Il sait le gérer. Pas mal. Pas mal du tout, mon ami. Tu te débrouilles bien. Voyons voir. Je propose, oui, coup de pouvoir héroïque dans sa 3-2. Et puis une colère à 1. Comme ça, je pioche une carte. Voilà. La demoiselle du lac. Très bonne idée. Enfin, ça dépendra qu'est-ce qu'il pose. Ce sera soit Damoiselle du Lac et pouvoir héroïque puisqu'il coûtera plus que 1. Ou alors peut-être le robot de soins corrompu. Sorcier draconien. Ouais. Je pense plutôt qu'on va poser le robot de soins corrompu. C'est une 6-6 tout de même. De quoi lui faire peur. Alors, il sort la carte piochée en top deck. Métamorphose. D'accord. Et quoi d'autre? Je peux vous allumer. Infliger point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Bon bah, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est bien tenté. Voyons voir, tour 6, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pourrais poser mon Drake du Crépuscule, hein, ou alors mon Golem Céleste piloté. Ouais, mon golem céleste piloté peut-être, ça pourrait être pas mal. Comme tu dis. Bon allez, on va partir sur golem céleste piloté. Et on face. Choc de flamme. Oh!
C'est une bonne créature celle-là. C'est une carte guerrier qui, quand elle est attaquée, elle donne 3 en attaque supplémentaire. Donc ça peut être pas mal ça. Réfléchissons. Inflige un point de dégâts. Est-ce que je peux le faire sur ma 2-6 par hasard? Je sais pas si je peux le faire sur ma 2-6. Enfin, on verra bien. Donc on va poser le Drake et on va infliger un point de dégâts sur lui. Ouais, magnifique. Comme ça, on se débarrasse de sa 3-5. Magnifique. Bon, logique qu'il envoie ça de 2 sur ma créature provocation. Ah, le brise-sort, purée. Ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Enfin bon, c'est tant mieux pour nous parce que au moins, si je pose maintenant mon ancien de la guerre, il pourra pas le silence. Voilà, ça c'est très bien pour nous. Venez vous battre, vermine. Voilà, ce sera assez chiant pour lui de se débarrasser de la 5-10, sauf s'il a un mouton. Enfin, métamorphose, je veux dire. Alors, qu'est-ce que tu as pioché en top deck, mon pote? Jeeves. Ah, ouais, c'est vrai que c'est une bonne carte. Ça lui permet de piocher jusqu'à avoir 3 cartes dans sa main. Pourquoi pas? Et moi, je peux faire pareil, hein. Je peux me débarrasser de mes cartes et Jeeves pourra me faire piocher jusqu'à 3 cartes dans ma main. Hein. Ouais, mais je réfléchis. Alors, peut-être Rage Farouche pour débarrasser sa 4-4. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, on va faire ça. Donc, Rage Farouche donne 4 d'attaque. On se débarrasse de sa 4-4. Voilà. Puis, on va faire Damoiselle du Lac. Et ensuite, Druidesse du Sabre en camouflage. Voilà. Le temps n'attend personne, merci, je le sais. On va se débarrasser de sa 4-3. Et voilà. Alors, il me fait piocher Innervation et Gardien du Bourbier. Très bien. Élémentaire d'eau. Pourquoi pas? Quoi d'autre à me proposer? Tentacule remuant, 2-4 provoque. Ouais. Ça va. Et sinon, après. Loup alpha redoutable. Ok, il finit son tour. Jongleur de flammes. Pour ça. Voyons voir. Bah déjà, je vais poser le jongleur de flammes pour voir où le point de dégâts va atterrir. Ouais, pas terrible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ici. Puis ça. Pour se débarrasser de la provocation. Voilà. Puis on se débarrasse de ça. On se débarrasse. Enfin, se débarrasse. Gardien du Bourbier. Ah, je me suis offert un cristal de mana vide. Ok, j'ai fail. J'ai fail. C'est pas grave. Et Raptor de Monte. Voilà, ça me semble bien ça. Ce qu'on va faire, c'est taper. Alors, clair du soleil brisé, marche au soleil. Très bien, ça. Parfait. Mouton explosif. Ah! Ok, tu veux faire péter ton mouton. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je pense que ce sera insuffisant
pour gérer mon board. Ouais, ça sera insuffisant parce que j'ai encore ma provocation. Voilà. Ouais, bon bah c'est terminé, je pense. Je pense que c'est terminé pour toi. Je ne vois pas trop comment tu pourrais t'en sortir. 2, 4, 5. Avec clair, je booste 6 et puis 7 mon pouvoir héroïque. Bah ouais, c'est terminé pour toi. Bien joué. Ah là là, c'est bien joué. Voilà. On a géré Urtagiel 998. On passe niveau 9. Parfait ça. Et une nouvelle victoire à notre actif. Allez, on va en faire une deuxième. Non, je suis content. Je suis content là. Si je gagne, je vais égaler mon record dans l'arène. Si je gagne encore celle-ci. On espère, hein. Ok, contre Nyx, le prêtre. Je dois protéger la nature. C'est mon devoir. Kobold évolué, c'est pas folichon. Fusil et forgefer non plus. On va traiter. Et innervation on garde. Ça c'est très intéressant. Ouais, bon. C'est pas vraiment une terrible main ça. Bon, on fait fin de tour. On pourrait faire peut-être au tour 2 Innervation et Trog Mashrock Mastoc, non? Non, non, non. On va faire Limon des Marais. Voilà. Limon des Marais, puisque le prêtre n'a pas d'armes. Alors, est-ce que par hasard tu aurais un mot de l'ombre douleur dans ta main? Micro-machine. Ouais, pourquoi pas? Bon, ben, on va voir où va. Non, non, je préfère sécuriser. Je vais faire Rage Farouche. Je me donne 4 d'attaque et je traite ça. Voilà. Ne prenons pas de risques. Ne prenons pas de risques insensés. Ah, il joue sa pièce. Ah, lui aussi, il joue un Trog Mashrock Mastoc. Très bien, ça, très très bien. Alors, ben, on est obligé de trader son Trog Mashrock Mastoc, hein, sinon, ça va être compliqué. Et on va faire Jongleur de Flammes. Voilà. Ah bah voilà, j'ai bien fait de garder Innervation parce que je vais faire au prochain tour Innervation et le champion de Hurlevent. Ok, lui il fait un petit conservateur musée. Ah, mot de l'ombre douleur, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool ça. Allez, Innervation, champion de Hurlevent. On va trader. Voilà. Comment lui mettre la pression? Brice sort. Ah, ça c'est pas cool. Bon ben prochain tour, Golem Céleste piloté. Allons-y. Voyons voir. Oui, pour éviter de trader le Golem, hop, hop. Voilà. J'ai pas envie qu'il traîne mon Golem. Cairn! Et il l'a obtenu avec le conservateur du musée. Ça, c'est pas cool du tout. Le kobold évolué pourrait me servir. Alors là, je pourrais directement faire un bon quota avec ça. Là, on fiche 5 points de dégâts au cairn. Bim!
Ça repop une 4-5. On va trader avec le chevalier des Hurlevents. Voilà. C'est bien. On gère son board. À notre aise, mais on gère. Alors, deuxième conservateur du musée. Et hop, il reprend Cairn. Il reprend Cairn, sabot de sang. Ah, Worgen déchaîné. C'est au tour du Worgen déchaîné d'entrer en scène. Alors, Yeti Norroi, Trogma Shrogmastok, ouais. Hop, on met les deux. Et on face. Voilà, on lui met la pression. On a l'étal sur le board. Donc voilà, il faut lui mettre la pression. Ça m'embêterait s'il a une Nova Sacred en main. Ça m'embêterait un tout petit peu. Alors, ouais. Ah oui, c'est vrai que son Worgen, j'avais oublié qu'il avait Fury des Vents. Ah, génial! Le Chevalier Murloc. Il est vraiment sympa, cette carte. Il est vraiment sympa, ce Chevalier Murloc. J'utiliserai mon pouvoir héroïque et ça fera popper un Murloc aléatoire. Champion de la lumière. Ouais. Et un Grizzly. Bon, ok. Pas dangereux. Ancien de la guerre, mais que demander de plus. Allez hop, histoire de bien le dégoûter. On va détruire son grizzly. On utilise notre pouvoir héroïque. Et qu'est-ce qui fait popper? Oh. Allez, voilà, on invoque le Papa Murloc. Ah bah voilà comment notre ami Nyx est en PLS. Il s'est fait rect. Voilà, on utilise des bons mots dans le jargon du jeu vidéo. Ouais, magnifique. Bon bah voilà, super. Sixième victoire, on a égalé mon record personnel. Je suis vraiment content. Et on est arrivé à la moitié du parcours. Bah oui, puisqu'on peut pas aller plus loin que 12 victoires en arène. Donc on a fait la moitié du parcours. C'est super génial. Moi je suis content en tout cas. Et je propose qu'on se laisse là-dessus. Voilà, on va se laisser sur deux autres victoires à mon actif. Franchement, je suis tout à fait content. Il n'y a pas à dire. On a subi qu'une défaite pour l'instant. On s'en sort très bien. Alors, je pense que dans la prochaine vidéo, on va bien s'éclater. Enfin, j'espère. Hein. Mais pour cette vidéo-ci, je vous dis, mettez des likes, commentez, partagez. Parce que là, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment qualifier cette performance? On ne peut pas la qualifier tellement elle est parfaite. Ah ouais, on ne peut pas la qualifier. Comment pourrais-je? Même si je dis qu'elle est parfaite, mais voilà, elle est inqualifiable, cette vidéo. Enfin bref, si vous le souhaitez, ben, quand même, vous mettez un j'aime, vous commentez, vous partagez, etc. Vous connaissez la chanson. C'était Mario Hero, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Hearthstone. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!